Et salut à tous, c'est Titi du Retrain, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, j'ai toujours la patate. Jeudi on se retrouve enfin pour un nouvel épisode sur la carrière CV sur Farming, la numéro 11. Allez, c'est parti! Les petits. Ah, ils mangent pas, c'est pas grave. Allez, j'espère que vous allez bien. Hein. Alors, du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec Antonin. Salut Antonin. Salut. Voilà, donc aujourd'hui, on va continuer ce qu'on avait fait avec Fabien la dernière fois, qu'on avait fait n'importe quoi, c'est-à-dire, Fabien avait mentionné n'importe comment, on avait mentionné n'importe comment. On a fait un système pour faire les bottes émotionnées en même temps que je n'ai toujours pas réglé, hein, excusez-moi. Voilà, donc. Alors aujourd'hui on joue avec des nouveaux modes, hein, avec les modes de Galax. Hein, voilà, donc c'est les modes de Galax, hein, c'est chaud patate. Hein. Alors, je ne vous donnerai pas les liens, vous allez sur la chaîne de Galax et vous aurez le mode. Vous pouvez le télécharger, c'est un libre téléchargement. Hein. Vous allez sur sa chaîne pour les télécharger. Moi je vous donne pas le lien, c'est... Vous allez sur sa chaîne directe puis c'est tout. Voilà, c'est pas plus compliqué. Voilà, donc en même temps je fais un petit peu de pub pour Galax. Hein. Je pense que ça lui fera du bien, hein. Ça lui plaira, je pense, ça. Oui, je lui pense que ça lui plaira. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, je lague un tout petit peu, mais c'est pas très grave. Attendez, ça va, tu m'en sens bien? Par contre, je gêne pas, oui, normalement. Oui, je vais décaler la remorque, parce que je pense que je dois gêner un petit peu. Enfin, quand même. Même si je te gêne pas, je vais me décaler quand même. Alors, vous pouvez voir que la petite pancarte, elle peut se lever et descendre. Et ça, c'est bien. Il y a même les petits gyros. Vous voyez, il est très bien fait, ce véhicule-là. Ce véhicule... Je le dis ou pas? Non. Je le dis, qui c'est qui l'a fait? Bah oui. Oui. J'ai parlé avec lui hier, en plus. Ah, d'accord. Oui, je voulais pas dire, mais parce que... Non, mais c'est pas mal. Alors, c'est un véhicule... Tous ces modes, la remorque, plus le véhicule, pas la mentionnasse, mais la camionnette, c'est fait par Texas 22, qui est un très bon modeur que j'aime bien. C'est un bon youtubeur, hein, on s'entend très bien, moi et lui, on s'entend très bien, hein, même avec Antonin, je pense. Oui, oui, oui. Il est ici, hein. Non, je déconne. Voilà, donc, ça a été fait par Texas 22. Un grand merci à Texas 22 qui fait des... Il me fait des modes aussi, hein, à moi. C'est pas qu'à moi, à Galax, voilà, avec la chronique du fermier. Voilà. Voilà, voilà. Donc, du coup, ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, bon, je vais pas faire les bottes parce que. Vu que c'est mentionné dans tous les sens, ça va être un peu chaud. Donc, je sais ce que je vais. Voilà, je vais prendre un petit tracteur. Et on va aller semer. On va aller semer le combien? Dites-moi. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas revenu au studio farming, hein. Ça faisait... Une ou deux semaines, hein. Ça faisait plus d'une semaine, hein. Donc ça fait du bien de revenir un petit peu sur ce jeu. Moi ça me fait du bien, hein. Ça m'a manqué un petit peu. Il faut le dire, ça m'a manqué un petit peu, hein. Alors c'est cool de revenir sur ce jeu. Voilà, donc on va aller semer aujourd'hui. Ah non, c'est pas ça. Voilà, on va aller semer du blé à... Ouh! Ouh là là, j'ai des clés. Pas bien ça. Titi, qu'est-ce que je fais? Bref, bref, voilà, donc... Alors, on avait tout laissé en plan, hein, par rapport à la dernière chronique, hein, le dernier épisode, voilà, c'est pareil. Blablabla. Bref, voilà. Donc du coup, on continue sur cette partie. Je vais aller semer.
Je me souviens le 17. Tu le sais, mais en quoi, blé? Blé, oui. Mais quand tu as remarqué pratiquement. Quand tu as la moisson pratiquement pleine, tu me le dis. Hein. Ouais, t'inquiète. Je suis à 40, toi. Oh, 40, ok. Après, qu'est-ce qu'on fera? Là, il est. Ouais, voilà, il est tel truc. Ah, par contre, il faut que j'aille acheter le champ. Ah, ça, c'est ballot. Je vais devoir zapper, une fois de plus. On va prendre le petit quad, hein. Allez, c'est parti. Let's go. On fonce avec le coup. Oula. Je fais prendre le mur. Où est moi? Ah oui, ce que, voilà ce que j'ai dit tout à l'heure, là, ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu sur les farming. Et un multi aussi, ça faisait longtemps que j'étais pas revenu sur les multi. Hein. Donc ça fait un petit peu de bien. Hein. Ça rappelle le bon vieux temps. On va dire ça comme ça. Hop là. Il est où le quad? Elle est là. Ah, si je perds le quad, je suis pas sorti de l'auberge, moi. Ouh là là. En même temps, vous pouvez voir qu'il y a un tonneau un petit peu en face là-bas. Il y a une tonneau en face là-bas. J'espère qu'il est un peu plus sérieux que la dernière fois où Fabien il est un petit peu fifou. Hein, on va dire ça comme ça. Ah oui. Oui. Un petit peu fifou. Salut. Oulala. 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 Ouh, c'est pas passé loin. Voilà. Allez, assez rigolé. Ah, c'est un petit peu, on a pu un petit peu rigoler, hein, juste l'histoire. Voilà. On dirait que la connexion internet aujourd'hui elle est pas trop en rendez-vous pour moi. Je lag un petit peu quand même. Hein. Je sais pas si toi tu lags. C'est léger, ça va, c'est supportable. Ouais, moi ça va encore. Mais par contre, je lag un petit peu quand même. C'est un peu chiant parce que je lag. Ma connexion ne veut pas. Il y a des jours elle veut pas. Hein. Des fois on a une connexion merdique, des fois on a une connexion. Pas merdique, voilà. Voilà. Donc vous pouvez voir le champ. Voilà comme il est fait. Voilà, c'est rien d'autre à dire. Après à partir de là c'est bien fait. Mais sinon, tout ce qu'on a déjà ramassé. Je pense que je vais bien galérer pour le faire. Donc. Alors je vais engager un ouvrier. Hein. Oui, je sais, je veux pas travailler. Engager un ouvrier, ouh, pas bien. Et oui, parce qu'en fait, je veux ramasser et faire les bottes en même temps. Donc, du coup, c'est pas possible de tout faire en même temps. Vous le comprenez, j'espère. Voilà. Allez, l'envoyer. L'ouvrier est parti. L'envoyer, ouais. C'est très logique, hein. La camionnette, je vais la bouger un petit peu. Je vais un petit peu la bouger parce que. T'as pris la V2 ou la V1? De quoi? T'as pris la V2 ou la V1? La V2. Pourquoi? Non, comme ça. Mais je l'ai la V1. Mets-toi en vue intérieure. Non, mais elle est toujours aussi pourrie, je sais. Arrête, t'inquiète pas, j'ai regardé. Hein. Par contre, les problèmes de frein ils sont corrigés. Que les problèmes de frais c'est un petit peu corrigé et c'est pas plus mal. Voilà. Alors je lag. Hein. Ah, c'est plein de béton. En plus, le tracteur il patine. Alors j'espère que vous avez bien rigolé pour la vidéo là de Scanner Truck Driving. Quand j'ai monté dans le chemin de terre où j'ai bien patiné, j'ai patiné à mort. Hein. J'espère que vous l'avez aimé. Je sais pas si tu l'as vu, Antonin. Tu tapais tous les trucs là. De quoi? Dans la côte, tu tapais tous les trucs là. Ouais, en fait, je. Parce qu'en fait, je l'ai pas encore mise en ligne, je la mettrai. J'espère que vous l'aimerez, pardon. Parce que non, je croyais que j'avais mise en ligne, mais en fait, non. Je la mettrai. Avant la vidéo, hein, avant cette vidéo, donc. Donc oui, j'espère que vous l'avez aimé, voilà. Je sais pas trop dire, mais c'est pas grave. Alors vous voyez que Fabien il va bien me faire suer là. Merci Fabien. Même si t'es pas là c'est bien.
c'est gentil à toi. J'ai bien galéré pour tout ramasser, mais c'est pas grave. C'est pas bien, hein. Il a voulu rigoler, voilà. Alors vous voyez que des fois on rigole bien, hein. Mais si on rigole, c'est juste parce qu'on s'amuse, quoi. Voilà, on n'a pas envie de. Regardez les chroniques avec Galax là, les nouveaux. C'est plus sérieux quand même. Ils sont un peu plus sérieux, oui. Compris à nous. Enfin. What? Il y a un oiseau qui veut rentrer dans ma chambre là. En fait, il y a un oiseau qui va. Il vient de se prendre la fenêtre, quoi. C'est logique, quoi. Il arrive, boum. Je suis à 80%. Ah, d'accord. L'oiseau, il arrive, boum. Il prend la fenêtre, il. Et après, il retente, hein. Il fait comme ça, boum, boum, boum. Mais il est fou, quoi. C'est complètement what the fuck. Ouais. C'est pas l'oiseau du jeu, c'est la vraie vie. C'est ça qui est bizarre. L'oiseau, il arrive, boum, il se prend la fenêtre. Très logique. Je sais pas, il a les amis ou quoi, je sais rien. Mais... Oui, en parlant des chroniques, oui, il y a Lax, oui, on était... Bon, moi, c'est pas que j'étais pas sérieux. Parce que j'ai des problèmes, des soucis. On était pas sérieux. De quoi? Christiane, on n'était pas sérieux. Oui, c'était Christiane, oui, voilà. Mais... Enfin, moi, c'est juste que j'avais des petits soucis de connexion. Moi, oui, je fonçais pas dedans. Enfin, si, j'ai foncé une ou deux fois, mais bon, c'est pas... C'est pour rigoler au début. Alors là, Fabien, franchement, merci pour bien m'emmerder, là. Il va bien m'emmerder, celui-là, là, ce truc. Il a bien fait exprès pour rien, pour m'embêter. C'est trop chaud à prendre, mais c'est ça, voilà. C'est Fabien, ça m'étonne pas. Alors il a bien fait exprès, hein. Alors ça se voit, hein. Regardez-moi ce virage de la mort, quoi. C'est pire que la route de la mort, quoi. C'est le virage de la mort, quoi. Voilà, c'est trop logique. Hein. T'as combien de pourcents? 85. 85. Oh là là. Ok. D'accord. Alors j'espère que vous avez aussi aimé l'intro. Hein, donc j'ai décidé de faire une petite intro histoire comme ça. Ce n'est pas le Bexali, hein. LP Xali, c'est juste pour Scania Truck Driving. Que je remercie encore une fois. Hein. Je remercierai jamais assez. Parce qu'ils sont sympas. Hein. Voilà, c'était pas obligé qu'ils me fassent un truc comme ça. Hein. Mais bon, ils me l'ont fait et c'est très sympa à eux. À Texas aussi qui me fait des. Il m'aide un petit peu, il m'aide beaucoup. Après il va m'attaquer. Non je déconne, je rigole. Voilà, merci à tous ceux qui m'aident. Texas 22, Alsace Fox qui m'aide aussi pour des quelques bricoles. Je ne dirai pas quoi. Ça, vous n'avez pas besoin de savoir. Voilà. Galax qui m'a bien accepté dans sa chronique, que je remercie encore une fois. Je remercie aussi Antonin qui veut bien jouer avec moi. De rien. Sur Farming. Fabien qui a fait n'importe quoi, mais c'est pas grave. Je remercie quand même. Je sais, c'est juste pour rigoler, quoi, donc. 95%. 95, attends. Alors attends, je vais prendre le Ford Transit. Et j'arrive à la rescousse. C'est très logique, hein. Un petit fourgon comme ça qui tire une grosse benne, hein, c'est très logique. Oui, c'est normal. Vous pouvez voir que le petit fourgon, le petit four transit là, il tire une grosse benne de 5000 litres, c'est normal. Que voulez-vous, c'est la vie. La 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 la. J'arrête. J'espère que l'ouvrier il avance, hein, parce que sinon moi... Parce que les ouvriers ils sont... tantôt ils marchent bien, tantôt ils marchent n'importe comment. T'as fini? T'es plein? Ouais. D'accord. J'arrive. Non mais c'est bon, t'as pas klaxonné, je sais que je suis là. Je sais que t'es là. Merci quand même. Alors j'espère que je vais y arriver à la vider quand même. Oui, non, bouge plus. Ouh, surtout recule pas. Attends une minute.
Ah non, c'est bon. Attends, je regarde. Je croyais que ça remplissait pas. Je croyais que ça passait à côté, mais en fait... ah bah oui, elle fait 5000 litres, c'est vrai. Ah oui, je vais pas préciser. Celle du jeu, c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes que celle du jeu. Mais sur celle du jeu, elle faut que 60 000. Parce que celle-là, elle fait 5000. Donc, elle est un petit peu mieux, elle est un peu plus grande. Mais c'est pas plus mal. Elle fait quand même 40 000 de plus, c'est énorme. Alors, t'en as qu'à ce vide, je vais vous montrer les modes de Golox. Donc c'est pas celui-là. 50%. Après aussi, oui. On va acheter une autre moissonneuse, les amis. Une moissonneuse spéciale Galax. Vous allez la voir un petit peu plus tout à l'heure. Un petit peu tout à l'heure. Vous la verrez tout à l'heure. Hein. Il y a OK ceci. Hop, la barre de coupe. Et je moissonnerai avec celle-là tout à l'heure. Au pire, hein. Attendez, non, on va arrêter avec cette moissonneuse, on va utiliser l'autre. Ouais, mais attends, je finis juste mon bout. Ouais, donc moi je vais aller chercher, pendant ce temps, toi tu mets la benne sur le côté et la moissonneuse tu la mets sur le côté aussi. Ouais. La mets dans l'herbe, les deux. Ouais, descend du camion. Bon. Voilà. Voilà, donc voici la moissonneuse de Galax, fait par Texas 22, hein. Voilà, hein. Donc la moissonneuse de Galax est très belle moissonneuse. Hein. C'est logique qu'il y ait une presse là, c'est trop logique. Une presse à la ferme, une presse devant la coupe quoi, c'est zarbi quoi. Voilà donc, on va passer à l'intérieur. Donc c'est une bonne machine, moi je l'aime bien. Hein. Moissonner un petit peu, Antonin, si tu veux bien. Ouais, je m'enlève. D'accord. T'enlèves tout je et... les bottes. Si tu veux. Mais d'abord, va voir l'ouvrier pour voir s'il marche bien. S'il te plaît. Je vais vérifier s'il marche bien, parce qu'encore... persécuteur, non, c'est bon. Alors, je sais pas si je vais passer, là. Négatif. Ah, ça, c'est un petit peu embêtant, parce que je sais pas, je peux pas passer. Aïe aïe aïe. Que je vais faire pour passer. Attends, j'ai des petits problèmes pour passer là, en fait. J'ai des petits problèmes. Voilà. Donc, c'est un méga pack, hein. Donc vous aurez le télécharger sur la chaîne Galax. Moi, je le donne pas. Tu mettras sa chaîne à la description. Oui, je mettrai sa chaîne à la description, bien entendu. D'autant, c'est pas la première fois que je mettrai sa chaîne à la description. Je l'ai mis dans pratiquement toutes mes vidéos sur l'aventure d'un grand routier. Donc, vraiment, Galax, je l'aime bien, quoi. Et vous voyez que sur la coupe... Ouais ! C'est quoi, ça ? Oula, 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 oula. Et vous voyez que sur la coupe aussi, il y a écrit Galax. Bon, je fais vite, parce que... Cargaison gelée. Ah, ça je l'ai pas désactivé, et oui parce qu'on avait changé de map à la dernière épisode, je sais pas si vous savez, hein, les amis, on avait changé de map, on est sur la Westbridge Hills. Alors, on n'est plus sur la map d'origine, la première map d'origine du jeu. On est plus dessus depuis, hein. Alors je vais vous dire quand est-ce que je change, je sais pas quoi. Je change toutes les 10 épisodes, voilà. Je fais 10 épisodes sur une map, après hop. Là je fais 9 épisodes sur une map, hop je change. Vous voyez, de la première à la dernière au 9e épisode, vous voyez, j'ai fait une partie sur... Non, c'est pas obligé que tu amènes ton magasin, tu peux la laisser là. Hein. Ouais, je t'amène ici. Voilà, donc on avait fait sur la map d'origine. Hein. Et à partir du... depuis le 10e épisode, on est dessus. Donc c'est le second épisode qu'on est dessus sur cette map. Donc, jusqu'au 19e épisode, on sera dessus. Voilà. Et à partir du 20e, on changera de map. Alors, je ne sais pas quelle map prendre. Hein. J'ai une petite idée.
mais je vous en dis pas plus. Voilà, c'est une, ce sera une petite surprise. Voilà, donc Il y en a une que j'aimerais bien, c'est celle la Bretagne profonde, tu sais, Galaxy, enfin que Galaxy. Oui, mais bon, Galaxy le fait déjà, donc non, moi je veux une map, je vais utiliser une map inédite. Il y a que personne n'a encore testé. Il y en a, on est que deux à la connaître, donc il y a que moi et quelqu'un d'autre qu'on la connaît cette map, donc je vous en dis pas plus. Vous l'avez fait ? Oui, c'est ça, ouais. Voilà, on l'a fait ensemble. Donc vous la verrez à partir du 19e épisode, à partir du 20e épisode, donc l'ouvrier l'a fini. L'ouvrier l'a fini ? Tu rentres à la ferme ? Ok. On est comme ça, hein. Ah, cette vue, j'aime bien cette petite vue. On a vu comme c'est, elle est grosse, hein. Elle est puissante. Hein. Ah, on dirait qu'en fait, dans la. Ah ah, ça j'avais pas vu. C'est que ça, ce vendeur aussi l'a marqué. C'est chaud patate Galax sur le conducteur de la moissonneuse. Vous voyez, on voit Antonin là qui speed avec un semoir, le semoir qui va vite là, c'est génial. Oula, oula, où est-ce que je vais moi? Dis-moi, t'es pas passé dans la pipe par hasard toi? Si. Parce qu'on voit tes traces. Oui, t'aurais pu faire plus discretos quand même. Non, tu crois pas? Si, c'est vrai. Non, c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est juste pour rigoler, je rigole. Voilà, donc, on va commencer à moissonner avec cette nouvelle moissonneuse. Hein. Elle est moins large, à mon avis, non? Non, elle est pareille. Ouais. Elles font 12 mètres, toutes les deux, ouais. Bon, je préfère... celle-là, elle est bien. Bon, j'ai dit que je préférais une, mais en fait non, je préfère les deux. J'aime les deux parce que voilà. Rassurez-vous, c'est pas l'ouvrier, c'est moi qui moissonne. C'est arrêté, c'est juste pour que la paix elle s'évacue de la machine, quoi. Pour que le... Voilà. Allez, feu, non, ma sonne. Oui, voilà. C'est justement pour la ligne, voilà, c'est tout. Oh là là, je n'ai raté un bout, oh non. Grave, on repassera. C'est pas un problème. Et c'est tout. Donc voilà. Hein. Maintenant, on va jouer avec ces nouveaux mods. Hein, maintenant, on a le droit de jouer avec. Donc, une fois de plus, pour les télécharger. Ça sera sur la chaîne, donc je vous donne le lien que de la chaîne de Galax. Mieux, je pense, pour moi c'est mieux. Pire, voilà. tu donnes le lien de la vidéo qu'il a fait avec. Non. J'ai cherché. Non, pire, je donne juste le lien de la chaîne. De toute façon, hein, je pense qu'ils sont pas. Ils sont pas bêtes. Ils sont pas bêtes, je pense. Hein. Enfin, d'accord, si vous êtes. On peut comprendre qu'il y en a qui sont pas calés. Pour chercher des mods pour installer des mods, trucs comme ça, pour installer des mods pour configurer un truc sur un jeu, etc. Voilà, mais bon, pour lancer une recherche sur internet ou sur YouTube, pour chercher une vidéo, un truc comme ça,
il faut pas abuser quoi. Attendez, c'est accessible à tout le monde quoi. Pour chercher une recherche sur internet, faut arrêter quoi. Parce qu'avant j'en ai vu qu'il y en a qui disaient ouais, comment on fait pour installer un mode comme ça. D'accord, on peut comprendre qu'ils sont pas calés, mais bon. Après si c'est juste pour. S'ils ça savent pas. Sur YouTube, t'as 25 000 tutos. Mais en plus, voilà. Sur YouTube, il y a tout. Sur internet, il y a toutes les réponses. C'est tout. Il y a toutes les réponses. C'est. Voilà. C'est pas compliqué de lancer une recherche quoi. Hein. Bon, comment j'ai fait moi comment j'ai fait pour commencer à configurer des trucs, comment installer des mods. J'ai regardé des tutos à gauche à droite. Voilà. J'ai regardé des tutos par-ci par-là et puis voilà. Titi, tu vas acheter American Truck. De quoi hein? Tu vas acheter American Truck? Non, bien sûr que je vais l'acheter. Oui. Tu vas avoir du mal à le faire tourner, à mon avis, non? Je sais pas, on verra. La carte graphique, elle va être morte. Pourquoi? Bah, il va être lourd, hein, déjà que t'es. Enfin, Eurotruck et tout ça, t'es pas. On verra bien, mais j'essaierai de la changer, c'est possible. Je vais voir. On verra. De toute façon, ils sont pas de sitôt, donc. Ils sont le 27 normalement. En 4 jours. Moi je suis pas sûr. Hein. Moi je pense pas qu'il sortira le. Je pense qu'on va attendre encore 2 mois de plus, c'est sûr et certain. Parce que vous avez dit le 29 janvier. Après, hop, 2 mois de plus. Et là, s'ils sortent pas le 26, eh bien, il faudra attendre encore 2 mois de plus, c'est sûr et certain. En tout, il y aura 4 ou 6 mois de retard, quoi. Donc, SF Software nous a pas dit de date officielle. Faut pas savoir. Il faut que SF Software dise la date officielle de la sortie du jeu. Après, on sera sûr. Et tant qu'ils disent rien, tant qu'ils disent pas la date, mais. Pour moi, il sortira pas. Quoi. Pour moi, il n'est pas encore prêt de sortir. Tu l'as précommandé? Non, pas encore. Mais je sais pas s'il y a encore, par exemple sur Amazon, un truc comme ça, je sais pas s'il y a. Non, par contre, enfin. Je sais que Texas a envoyé un message sur Kango, comme il est partenaire, hein, il l'a précommandé du coup, mais. Oh, Texas, ça m'étonne pas. Oui, je sais. Je sais que Texas, il me l'avait dit. Moi je sais pas, peut-être que je le vois. Je sais pas, de toute façon je vous parie qu'il sortira pas le 26, je vous parie. Je vous parie sur tout ce que vous voulez, mais je suis à 99% sûr qu'il sortira pas le 26 mars. Pour moi il sortira en mai, pour moi. Après je peux me tromper hein. Après, je peux faire une erreur, hein. C'est pas exclu, hein. Tout le monde est en train de faire des erreurs en même temps. En train de chercher des excuses, si y a tort. Moi ? Je cherche des excuses, moi ? Non. Je cherche pas d'excuses, moi. Comment ça, je cherche des excuses ? Mais attends. Tu vas voir si je cherche des excuses, moi. Même dis donc. Alors, par contre, on dirait qu'elle a un petit peu de mal à braquer, non? On dirait. Ah là 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 là. Voilà, donc les épisodes de. La carrière sur Farming, les épisodes. C'est pas qu'ils vont être arrêtés, mais c'est que voilà, le rythme va être bien ralenti, hein. Même pour la matière d'un garrotier et ce qu'un autre truc drumming, ça va. Déjà, vous l'avez vu, hein. En 2 semaines, ça a bien ralenti le rythme. Il y a de moins en moins de vidéos, oui, parce que voilà, il y a le temps, il y a les cours, il y a voilà, on a plein de choses à faire. Hein. On n'est pas le temps libre, hein. Il y a une vie à côté et la vie compte avant, elle passe avant tout quand même. Hein. Ce qui est logique, hein. Il y a quand même 3 gyros sur cette machine, c'est pas mal.
franchement, cette moissonneuse là, en homme blanc, je l'aime bien. On va encore tes traces, hein. Je moissonne sur tes traces là. C'est. Tu fais les bottes au moins? Bah oui. Ah, non, non, parce que je te regarde pas depuis quelques temps. On va bientôt te mettre une caméra de surveillance pour voir ce que tu fais. Non, non, je rigole, je rigole. Non, bah, je te fais confiance, y'a pas de problème. Encore heureux? Comment ça, encore heureux? Nous oh. Attends. Nous attends, ça va, oui. Non, 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 non. En fait, il faut combien de temps là? De quoi? C'est combien de temps? Bah, je sais pas, ça faut faire un quart d'heure, 20 minutes. Même demi-heure, peut-être. Bah, on va faire une vidéo de demi-heure, voilà. Mais comme d'hab, hein. Bah, pourquoi faire... Sinon, un quart d'heure, c'est pas beaucoup, voilà. C'est un petit peu... limite, hein. Je veux dire. Mais après, une heure, c'est trop long, quoi. Entre 20 minutes et 40 minutes, c'est ça va quoi. Et puis après, on peut la poster aussi. Et le montage? Oui. Tu oublies le montage, hein. Le montage, il est bien long, hein. Il est plus long que la mise en ligne, hein, pour moi. Chez moi, la mise en ligne est plus courte. Plus court pour mettre en ligne que pour faire le montage. Le montage, il faut que je mette l'intro, il faut que je mette la... voilà. Je la comme un gros porc. Moi aussi un petit peu quand même. Je lave de plus en plus cette enceinte. C'est peut-être les modes qui sont un peu lourds quand même, je pense. J'essaierai de virer quelques modes parce que je pense que j'en ai mis trop. Faudra que j'en vire des modes parce que je pense que j'en ai mis un petit peu trop, je crois. Enfin, à mon goût, hein. Moi, je pense que oui. Une deuxième vitesse à... pour mentionner le petit bout que je l'ai laissé tout à l'heure. Et après on s'arrêtera là, hein? Ouais. Voilà, je vais faire un petit... Bon ben, pour cette vidéo, ben merci Antonin d'être venu, hein. De rien, merci. Parce que... enfin, moi je sais pas ce que vous pensez, mais moi je préfère faire les vidéos en multi qu'en solo, parce qu'en solo, en fait, on peut faire ce qu'on veut, mais aussi on s'ennuie un petit peu, quoi, parce que voilà, on n'a pas... on sait pas quoi, on sait pas à qui parler, quoi, voilà. Donc on parle mais on parle que pour nous tout seul, quoi, voilà. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Un multijoueur, on peut parler de beaucoup plus de choses. Parce qu'on est au minimum deux, déjà à deux c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, donc moi je préfère faire des vidéos multi qu'un solo. La première j'ai fait un solo, c'était juste pour vous montrer un petit peu le concept. Et après sinon depuis maintenant. Attention à la remorque! Ouh là là! Et je la vide! Non, 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 non. Voilà, je la vide! Oh, le klaxon! On dirait le klaxon d'un tracteur! Le mien, je veux dire! De quoi? Celui-là? Je l'entends pas. Bah le mien là. Rapproche-toi et écoute mon klaxon. T'entends? Ah ouais, je suis devant. c'est marrant, hein. Attends. Je vais te manger chaud. Non. C'est pas que ça va faire une boute derrière. Je vais te moissonner.
Je vais de mon soso, de mon soso. Attends, reste devant, hein. J'ai cru voir un Antonin devant le, devant la vitre, c'est pas vrai? Je me trompe pas? Il est où? Il est sorti de devant la moissonneuse? Un fantôme! Un fantôme! Au secours! Voilà, bref. Alors, j'espère que ça vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à vous abonner. Comme d'habitude. Voilà. Et il touche pas mon moissonneuse. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh, hey, dis donc, voleur! Touche pas ma camionnette! Mais dis donc! Allez! Allez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et merci à Antonin. Salut. Allez, salut tout le monde.